Ah, tu commences à être amoureuse, toi. Je t'ai dit que je t'aurais à l'usure. On ne peut pas être amoureuse de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Qu'est-ce que tu veux savoir? L'histoire de la grande famille de guerriers Kanté? Mon histoire à moi? Ah oui, je sais. Tu veux savoir combien de têtes j'ai tranché? Alors, je veux connaître le secret de ta puissance, de ton invincibilité. Tu vois, tu n'as même pas confiance en moi et tu prétends que je suis ta femme. Je dois avouer que le grand Soumanguru est embarrassé. Les esprits demandent au général Soundiata de ne pas se décourager. Tout ce qui arrive fait partie de son destin que nous avons annoncé il y a des années. Cette première défaite n'en est pas vraiment une. C'est le fer qui coupe le fer et vous avez bien fait de venir. Soumanguru est-il vraiment invincible, comme on le dit? Seul Dieu est invincible. Dieu a décidé que le Mandé devienne le plus grand royaume d'Afrique et nul ne peut s'y opposer. Les esprits nous montrent l'amour, la Kora sacrée et Kirina. Grand-père, vous m'avez demandé? Tu es venu rejoindre ton Dankara? Arrête, Diata. Tu sais que les fiançailles n'ont pas eu lieu. C'est Afsa qui m'envoie. J'espère que cette brute ne lui a rien fait. Non, elle va bien. Je suis venue te dire que le secret de Soumanguru, c'est un mergot de coq blanc. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Souviens-toi des paroles des jumeaux. C'est le fer qui coupe le fer. Soumanguru peut être anéanti par un ergot de coq blanc. Mais on doit vaincre toute son armée et toute sa magie avant de l'atteindre. Les jumeaux vous ont parlé de la Kora sacrée de Kirina. C'est un duel. Un duel entre Soumanguru et moi? À une époque, une vieille tradition voulait que, pour limiter les victimes d'une guerre, deux rois ou deux prétendants à un trône s'affrontent en duel. S'agissant de la Kora, c'est le griot qui va porter la nouvelle, qui va donner le début du combat. Et c'est... Ah non, c'est un diable, un barbare. Il va me couper la tête, les yeux, les cheveux, la barbe. Non, 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 je peux pas. C'est toi qui crois en la prédiction. C'est le moment de lui permettre de se réaliser. En fait, depuis quelques secondes, je suis comme toi. Je n'y crois plus à tout ça. Tu sais pourquoi, durant les années où j'ai été soldat puis général, je n'ai jamais eu peur et je n'ai perdu aucune guerre? Bala, le lion des griots. Hey, vas-y doucement tout de même. Ne t'inquiète pas, mon petit Diata. Oh, il ne pourra pas refuser ce duel. Soumanguru, tiens-toi bien. J'arrive. Tu ne m'as jamais parlé de cette potion, mon oncle. De l'eau et 2 pincées de sel. Donc, les bœufs de l'un ont mangé les cultures de l'autre. Et on se pointe devant le grand Soumanguru pour des futilités comme ça? La prochaine fois, je vous coupe la tête à tous les deux. Dégagez! C'est quoi ça encore? Le griot de Soundiata Keita. Il a un message pour vous. Qu'est-ce qu'il a, celui-là? Il est général, non? Ce sont les rois qui ont des griots. Si, si. Waouh! Soundiata, Soundiata, roi, roi, pourquoi pas? Soundiata, Soundiata, roi, roi, pourquoi pas? Soumanguru, il t'attend dans deux lunes, ah, Kirina, ah, si tu n'as pas peur. Si j'ai bien compris, petit griot, ton chef Soundiata défie le très grand Soumanguru en duel dans deux lunes. Oui, c'est ça. Si tu... Enfin, vous n'avez pas peur. Waouh! Diata, la griotte, elle joue mieux que moi. Bala, c'est toi qui dois y aller. Tu es le griot de Soundiata Keita. Et tu seras notre témoin. Eux aussi ont droit à un témoin. Je ne sais pas si je reviendrai. Mais je m'en voudrais éternellement si je ne te le dis pas. Nora, je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Et je veux t'épouser. Tu reviendras, Diata. Et on se mariera. Oh! Stop! Il y a des enfants ici!